Voilà, Simon, quel est ton sentiment ce soir et où vas-tu mettre ce trophée? Bah, je suis très fier. Je crois que comme gardien, de gagner ce trophée-là, si tu sais que les dernières fois, ça fait 33 ans, et les noms qu'ils ont gagnés comme gardien, c'est top. Donc, je ne pouvais pas imaginer que je peux me mettre avec ces noms. La seule chose que je peux dire, c'est merci et je suis fier. Simon, il a gagné et puis il a gagné avec le plus grand écart jamais réalisé dans le soulier d'or. Vous vous rendez compte de ça? Non, je ne savais pas et ça veut dire encore où ça donne quelque chose encore de plus pour ce trophée. D'abord comme gardien, puis avec le plus grand écart de l'histoire du soulier d'or. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est merci pour tout le monde qui a voté vers moi. Selon toi, qu'est-ce qui t'a fait gagner tous les points? C'était à quel moment est-ce que tu as explosé? Je sais pas, mais je crois que j'ai déjà dit dans la conférence de presse, comme gardien, il faut être important sur des moments importants. Et si tu vois les playoffs après les Champions League, je crois que ça rentre dans les têtes des journalistes, de tout le monde qui vote. Et heureusement, tout le monde a voté vers moi, ça c'est clair. Vous êtes revenu en Belgique, Simon, vous avez fait un choix de carrière que beaucoup n'ont pas compris, mais vous aviez déjà peut-être dans l'idée de gagner des trophées et de gagner le soulier d'or? Non, c'est ça que j'ai juste dit avec ma mère. Je crois que la première fois que j'étais ici, je pensais ça, je veux gagner aussi. Et c'était quelque chose dans ma tête, c'était pas un objectif parce que je savais que c'était très difficile de gagner comme gardien. Mais peut-être ça a donné quelque chose de plus, ça a donné un objectif, une motivation pour essayer de gagner et heureusement j'y fais. Qu'est-ce qu'il te manque aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais encore gagner? En Belgique surtout le coupe, ça c'est le seul prix que j'ai pas encore gagné, mais je suis sûr, je connais moi-même, dès demain je suis là à nouveau sur l'entraînement, d'essayer de donner le maximum, parce qu'avec ça j'ai fait mon carrière et avec ça je vais arrêter mon carrière. Simon, ce trophée il peut relancer toute la dynamique au club de Bruges? J'espère que aussi un trophée individuel peut donner une nouvelle ambiance dans la vestiaire, quelque chose positif peut aider, parce que une bonne résultat, une bonne victoire, c'est ça, c'est la seule chose qu'on a besoin et peut-être ça peut aider déjà. Merci, félicitations. Merci, félicitations.